Bienvenue pour ce nouveau sport aujourd'hui. Nous commençons avec une nouvelle nationale. 13e édition de l'Afrique qui terminait dimanche avec cérémonie clôture à Accra, Ghana. Justement aujourd'hui, dernier groupe de délégation Team Seychelles sorti de l'Afrique in retourné. Là, tiennent l'équipe volleyball, athlétique et les autres membres de délégation qui accompagnent Team Seychelles, Ghana, pareil, bonnes officiers médicaux qui aussi retourné. C'est secrétaire principal pour la Zenès Sport et Export, Ralph Jean-Louis, et que chairman fédération volleyball Ronald Wong qui t'a accueilli bon athlète le airport dans sa 13e édition. C'est celle qui ne remporte aucune médaille, si moins un bon résultat plipi qui nous ne déjà connaît dans sa joue. Dans édition 2019 Rabat Maroc, Team Seychelles qui remporte un médaille d'or, une médaille d'argent et que des bronzes à travers Nazaire Félicité Passon pour venir 18e le classement. Ça l'en est, c'est celle qui est classée à cause d'une sortie l'an main vide. Compétition, choqué, libre, c'est bon. Nous connaissons pour dire l'Afrique, ben, la compétition est intense. Nous ne connaissons pas pour facile. Mais c'est bon, nous allons nous try nos best. Va être un peu de compétition l'Afrique avec ça qui nous vient. C'est un jeu différent, vraiment différent. Mais seulement, il y a une bonne opportunité pour nous à cause de l'expérience, à cause de l'Afrique. Donc, so, pour moi, nous participons, et choqué, même si nous ne pouvons pas faire assez bien. Mais seulement, nous contents. Et nous contents, nous représentons nos pays. Anyway, l'Afrique lui-même, il n'y a pas de mal. Il y en a un, mon père a dit, est à défaillance. Mais seulement, il y en a défaillance sur le côté de l'organisation. Il y a quelque chose qui nous besoin peut-être pour la guerre avec les gens, pour donner, nous avons transport, quelque chose. Mais seulement après un peu de temps, quelque chose commence à résoudre à mes yeux. Mais seulement, au niveau compétition est vraiment haut. Qui, moi, pour dire franchement, qui nous, les athlètes, ils pas respecté la préparation, ils pas respecté ce qu'ils ont dit, quoi, vous dire là-bas pour aider. Nous sommes sortis dans des îles. À cause normalement, là où tu finis les îles, où tu supposes que tu finis, puis aller des semaines après, puis aller l'Afrique. Mais nous avons prolongé à jouer l'Afrique. Mais nous avons athlètes qui plus ou moins pour abandonner l'État, pour avoir une tête pour autres, slack un peu. Pour abandonner les autres équipes là-bas, d'ailleurs, on peut préparer. So, ça gap avec nous, athlètes, avec les autres athlètes. Est-ce que vous pouvez dire qu'il y a beaucoup de travail pour Team Seychelles faire lui-même pour arriver au niveau de sa athlète lui-même, la vie qui nous finit sans médaille lui-même de sa NZ? Oui, travail pour nous, oui. Travail pour tout le temps, non? Mais seulement là, il y a un bon peu de travail pour nous à le faire. Pas juste le côté athlète, mais il y a aussi le bon coach. Nos qualités de préparation qui nous planent, l'état nous connaissons dans le Major Game. Et il y a un bon athlète aussi, ils ont besoin de connaître. Quoi qu'ils ont les priorités, quoi qu'ils ont payé, qui nous dit, par exemple, si on prend l'exemple d'un bon athlète au high level, nous respectons les autres performances dans sa bonne compétition. Mais il paraît que nous autres programmes, pas plus ensemble avec sa bonne compétition, qui ont les autres, ben, nous autres faisons les autres, pas plus assez avec les autres compétitions, ils viennent, ils ne peuvent pas mettre ça les temps à la hauteur. Justement, ça veut dire la Team Seychelles s'est retournée sans aucune médaille. Beaucoup de travail pour faire pour ma prochaine édition pour nous préparer. Et pour nos quotidiens bulletins, nous voyons qu'il y a une deuxième compétition la piste pour Salonnais qui est organisée par Seychelles Sports Fishing Club. Et ils ont organisé tournoi à la piste nationale Heineken pendant le week-end. Dans sa une compétition, seulement 5 bateaux qui t'y fait au départ. Et dans sa 5, seulement 4 qui t'y amènent poisson pour peser. Dans le droit à l'habitude, côte Marine Chat. Format de la piste, t'y pour la piste poisson de fond et aussi l'année traînée. Bon bateau tient jusqu'à 3h après-midi pour entrer Marine Charter et vers 2h20 après-midi, premier bateau qui t'y costé, Tiri Runners. Faut de noter qu'il y a un bateau qui fait un départ de 18h pour matin pour aller en mer pour sa compétition. Tiri Runners t'y entré avec bonne variété de poissons, le plus impressionnant, c'est sa casa qui t'y pèse 27,44 kg
et ça donne lui-même tient record national de sa compétition. Liman Sénarané, il partage son l'aventure le lendemain pour sa compétition. Franchement, l'état parti de nous faveur du tout, quand il est à nous sortir. Despite several weather platforms qui nous reference, it was so unpredictable. Donc, quand nous espérons aller ni half, nous allons arriver, nous allons tourner. Nous allons complètement faire un nouveau plan adapté. Mais nous sommes assez flexibles, nous skippers assez knowledgeable. Et de suite, là, nous sommes en plan et nous allons travailler un peu de calmer waters for Friday. Nous pas un target trolling trop beaucoup à cause pas où qu'on est. This is a bottom fishing tournament. It's the same points for trolling as bottom, moi. So nous fait très bien dans Vavara, dans Bourgeois, dans les autres species de fond. Mais nous pas un chabot qu'un billfish. Nous pas faire aucun tag and release this time. 10 minutes plus tard, vers 2h30 après-midi, l'équipe Heineken a fait son entrée, lui aussi contre Marine Charter. Suivi par Young Boys qui sortit la digue. As-tu? Et finalement, l'équipe Paula, lui tient entré 5 minutes avant 3h sonné. Tiens, un 5e bateau qui t'y allé. Ça c'est l'équipe Ibou, mais malheureusement, ça l'équipe qui rencontre un problème technique avec les autres bateaux qui fait qu'ils entrent 15 minutes après 3 heures et à cause d'autres retards, ils sont disqualifiés. Nous sommes bon matin, c'est vendredi bon matin, les temps sont un peu rough. C'est moi qui tenis, nous avons dit qu'il y a un peu plus tard. Nous avons gagné assez beau temps pour nous cross pour aller sur le soleil par la piste. Et la piste nous déroule assez normal, to be honest. L'équipe entière travaille fort comme l'équipe. Et depuis rentrer, nous avons des difficultés avec nos machines. So, nous avons à peu près 15 minutes. Bon, les autres participants ils partagent un peu le parcours le lendemain avec nous. On a fait quelque chose de choqué. Hier soir, nous suspectons pour plus voter qu'il y a, mais c'est bon. Nous sommes capables de calmer, nous sommes capables de faire plus de travail. Vous avez dit, vous satisfait avec la qualité de poisson que nous avons? Je suis satisfait, mais c'est moi qui nous suis capable de gagner encore plus de variété, mais c'est moi, nous sommes mieux, nous allons arriver, mais c'est moi, à qui nous emmenons, moi, quoi, il y a fait normal. Les temps, là, nous allons aller, dans nos faveurs, présent, à soi, c'est le coup, les temps, ils levaient tous les 30 minutes, on gagne à 23, 25 nids d'hiver, avec un gros l'appli, ça courant est fort, difficile pour la piste. Après, quelquefois, quand nous allons, il y a un peu différent, quand l'autre Dimon, tout Dimon il a une expérience différente franchement avec sa Dimon qui m'ont causé avec. Est-ce qu'il nous a fait mieux? Obviously, yes. Seulement, les mots qui le balance partout là. Mon corps est vraiment une tight competition. Hein, à cause de tout Dimon, il y en a différents bouts de bout partout. So, mon corps n'a pas été turn out at the end of the day. Après qui tout bon poisson, tu n'as fini de peser. Ben, les officiers Seychelles Sports Fishing Club qui ramassent la PZ et ramassent l'information pour annoncer le résultat qui pourrait faire une petite cérémonie côté restaurant Atsi Perseverance. Existement, ils sont incapables de présentation prix qui fait côté restaurant Atsi son lendemain et la grand vainqueur qui est l'équipe Paula. Avec 61 points, Zotin bat l'équipe Rig Runners par 15 points pour votre satit. En nous suivant l'autre reportage, Gervais Dibignon. Après qu'il y ait un résultat, il y a fini l'entrée. Il y a un officier et un participant dans sa compétition La Pêche qui rencontre le restaurant Atsi Perseverance pour une petite cérémonie de présentation prix. Bon critère est simple, ça qui t'amène un poisson plus lourd, tu peux finir comme un vainqueur dans les catégories respectives. Première catégorie, tu la pêche avec l'anime traîné, en anglais, on appelle le trolling. Bon qualité poisson dans sa catégorie, il y a un poisson tel que bekin, bonite, kingfish, tonzon et ton lédon. Là, dans sa catégorie, l'équipe Rigoners, tu peux le plus gros poisson de la famille bekin, ça Isaac Taza, qui tient un record national avec un poisson. 27,44 kg et aussi plus gros bonite qui pèse 6,8 kg. Dans sa même catégorie, l'équipe Heineken qui course plus gros kingfish de sa tournoi avec un apaisé 12,8 kg et aussi plus gros ton les dents avec un apaisé 19,4 kg. L'équipe Paula qui finit de sa catégorie
avec plus gros ton zone qui t'y amène un poids 20.4 kg. Dans la catégorie poisson de fond, veut dire bottom fishing, là l'équipe Paola t'y amène plus gros bord de mar, pesé 6.3 kg, plus gros croissant, pesé 4.5 kg, et l'autre qualité de l'espèce vieille avec un poids 2.7 kg. L'équipe Paola t'y aussi partage la première place avec de l'équipe, l'équipe Rigwanners et Young Boys t'y amène chacun et Captain Blanc avec même poids, ça et 4.8 kg. L'équipe Young Boy, qui zote sorti la digue, t'y emmène un plus gros bourgeois avec un lapézé 10.2 kg, un zope gris avec un lapézé 6.7 kg, saumon plus gros avec un poids 12.7 kg, et un vieille plate pesé 8 kg. Young Boys et Heineken t'y emmène chacun un carang avec un même poids, ça y 4.8 kg. L'équipe Heineken t'y emmène un vieille Macondé pesé 2.9 kg, et Rigrunners t'y emmène un Varavara 9.9 kg. Dans sa catégorie, l'équipe Ibu t'y emmène un vieille plate qui casse un record national qui initialement t'y pèse 10.7 kg et l'équipe Ibu t'y emmène un pèse 11 kg. Mais malgré ça, avec les autres disqualifications, je n'ai pas de s'accumuler aucun point pour ça, mais par contre, SSFC t'y reconnaît sa record. En moyenne, l'équipe Paola t'y finit premier, l'équipe t'y emmène 31.93 kg poisson par l'équipage. Meilleure quantité poisson de l'année dernière avec 79.8 kg. Bateau qui t'y emmène plus qualité poisson, 16 qualités en tout. Best overall catch qui en total 191.5 kg. L'équipe Young Boys t'y finit premier avec meilleur poisson de fond. Et après qui tout point t'y finit de finaliser, l'équipe Young Boys t'y finit de troisième position. Parmi les trois meilleurs. Si nous avons les trois meilleurs, ça veut dire que next time, nous allons quand même deuxième ou troisième. Pour la FC Pouy qui nous gagne, nous satisfait. Et pour bottom catch qui nous gagne, dernière compétition, nous qui gagne. Il m'a dit que nos spécialités sont de fond. L'équipe Rigwanners qui finit deuxième. Il y a un grand accomplissement pour nous. Nous sommes sortis loin. Et il m'a dit avec persévérance, un jour, au cas délivré. So I'm very very proud of my team. On est bon skipper. On est fantastique l'équipe. So yeah, it's grand accomplissement pour nous. Et pour ça une édition en compétition la piste, l'équipe Paola qui tire grand avec elle. Well, il y a le répertoire que nous avons gagné deux trois fois et nous boostil comme si fini et nous bien content nous gagnons aujourd'hui à cause c'est le même team la dig qui bien fort et nous bien content. Département Tourisme informe nous qu'ils ont pas organisé deuxième édition Sécheresse Nature Trail pareil tingay planifié salonnais sa décision pendant grand point facilement premièrement à cause ben changement avec la compagnie aérienne qui a affecté participation ben réunionnais depuis qui sa compétition tingay inauguré en 2023 Sécheresse Nature Trail tin attracté un quantité participants côte autres gaissances pour explorer et admirer la beauté de nos pays. Même après son succès, défi qui relié avec bon l'arrangement voyage et spécialement bon individu sorti la réunion in fait qui sa comité in besoin cancel sa l'événement. Bernadette Villemain, directeur général pour marketing destination, il dit qu'entre temps, qu'ils ont compris des appointements qui sont nouvelles et capables de causer, ils ont ou les redonnent l'assurance qu'ils ont engagé pour organiser la compétition Sécheresse Nature Trail en 2025. Ils ont proactivement adressé un défi logistique qui ne fait cancel sa deuxième édition salonnée et ils ont confiant qu'ils ont pour délivrer un événement exceptionnel l'année prochaine. Mlle Villemain, il exprime son sincère gratitude pour l'équipe technique et bon partenaire clé, inclut l'organisation Réunion, ILOP, Sports et aussi bon partenaire local, la Banque Absa, Keblen Wallace, l'Hôtel Constance Filia, l'Autorité, Bon Parc et Zade Cécile et Conseil National pour Sports. Nous continuons avec Beach Soccer que nous voyons résultat des matchs qui nous jouent aujourd'hui. Il y a Mavericks qui a perdu 8 goals loin contre Glacis. Et après, il y a l'équipe Sunrise qui a fait victoire 6 goals au 5 contre MLUH pour faire ça l'équipe goûte son deuxième défaite consécutive dans la ligue. Entre-temps, pendant encore des matchs demain, le programme 5h30 Equator pour contrer Anse Royale et 6h45 Sorry pour jouer Sky Chef. Tous abonnés match pour jouer contre Beach Soccer Arena, Roche Caïman.
Dans le football, nous voyons le résultat match championship qui nous joue aujourd'hui. Et dans Real Maldives, qui premier le classement, qui a grandi son écart pour faire victoire 9 goals loin contre Montfleury. Et dans le match Ligue 1, Belazar, il a battu 6 goals loin contre Moucha. Entre temps, demain, dans un autre match Ligue 1, Beauvallon pose contre Glacis 6h du soir, le Astrotov. Et le championship, Bosco FC pour une marine maintenance, le stade populaire. Bien sûr, ça match 6h du soir pour jouer lui aussi. Ne plaisir pas avec vous, merci pour qu'il suive.